La suite avec les pépites. On démarre avec la première. Pépite 1, il faut la garder. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas gentils. Hein. Toi, tu as problème sur ta tête. Tu veux soulever ça pour aller donner aux gens. La femme frère qui les gars, hey, c'est normal. Mon frère, tu veux faire quoi? Moi, je ne comprends pas. Hein. Il dit, oui, ma femme me bat devant les enfants. Il dit, ma femme, elle me frappe devant mes enfants. Elle confisque mon salaire. Mon salaire, elle bloque ça. Elle contrôle mes appels. Elle regarde mes appels. Elle veut voir c'est qui m'appelle. Que dois-je faire? Il y a des gars qui font quoi? Quand elle fait ça là, il y a des gars qui font quoi? Il moi, en tout cas, attends. Moi, quand tu me poses la question, il y a des gars qui font quoi là? Tu vois pas qu'ils sont en train de mettre mon oreille tout bien? Il y a des gars qui font quoi? C'est ton problème? Ils ont répondu quoi? Ils lui ont vite répondu même. Ils ont dit quoi? Parle on vite. Dit reste avec elle. On dit faut rester avec elle. Pour ne pas mettre d'autres hommes en danger. Faut rester avec elle pour ne pas mettre d'autres hommes en danger. Ouais. Mon frère, tu veux quoi? Tu vas la laisser pour la donner à qui? Qui n'a qu'à prendre ça? Il faut l'attraper sérieusement. C'est pépus, il faut la sécuriser. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a envoyé là-bas. Voilà. Nous, on est contre la maltraitance, les violences faites sur les femmes, mais surtout aussi sur les hommes. Je pense que c'est un sujet assez sensible, parce qu'il y a des hommes qui sont battus par des femmes. Mais là, excuse-nous, vieux. Vraiment, prions. C'est important. Pépite 2, expérience de vie. La vie est faite d'expériences, vous le savez, il y a certaines situations. En tout cas, si tu n'as pas vécu ça, mon frère, c'est que tu ne connais pas encore la vie. Ils ont mis une photo. Photo là, ils ont dit quoi dessus? Photo là. Ils ont déchiré tube de dentifrice en deux. Ils ont déchiré tube de dentifrice en deux. Et puis ils sont en frotter brosse dedans pour prendre le reste ouais. De dentifrice là. Ouais. Et puis ils ont commenté. Ils ont dit quoi? Si tu n'as jamais fait ça. Si tu n'as jamais fait ça. C'est que tu n'es rien, mon ami. C'est que tu n'es rien, mon ami. Tu n'as rien vu encore. C'est que tu n'as jamais existé. Les gars, est-ce que vous n'avez jamais fait ça? La voix frère qu'il faut parler dans le micro là. Si, si. Quand c'est chaud là, tu fais comment? Ah, il n'y a même pas couteau à balle là, mais dans la même. Au calama. Et puis voilà, tranquille. Non, la voix frère qui ta méthode elle est faute. Il connaît la vie. Yayo, si tu n'as jamais déchiré le tube de dentifrice pour te brosser le matin, c'est que vraiment tu es encore trop jeune, mon frère. Il faut aller te former un peu encore. C'est important. Pépite, toi, tu ne cherches pas de travail. Non, Franck, il disait qu'il y a des gens qui ne cherchent pas de travail. Il te dit, hein, ils ne font même pas effort. Ils ne font pas effort. Le travail qui est devenu dur pour avoir comme ça, là. Ça y est, il y a d'autres encore, eux, ils s'amusent avec travail. Comme lui, là. Il a publié. Il a dit quoi? À l'entretien d'embauche. Je suis allé faire un entretien d'embauche. On m'a demandé mon point faible. On a demandé mon point faible. Hey. Il a répondu. Il a répondu. Je ne supporte pas le retard de salaire. Je ne supporte pas. Je ne supporte pas qu'on ne me paye pas vite. Mon frère, ton monde y a au carré. C'est que faut... Il y a, hein? Ceux qui disent la raison, rentrez ici, vous allez venir ça. Hein? La rébellion, c'est Mato, Zigizagaé. Rébellion, c'est yo. Zigizagaé. La rébellion, c'est Mato. Zigizagaé. Rébellion, c'est yo. Zigizagaé. J'ai dit la rébellion, c'est Mato. Zigizagaé. Rébellion, c'est yo. Zigizagaé. Ah. Restez là, hein? On vous mate, vous allez voir. Moi, mais. Pépite 4. Ah, tonton. Cette pépite-là se passe de longs commentaires. Je vais juste vous la lire, cette pépite-là. Et puis, on va avancer avec la paix du cœur. Bon, moi, je ne peux pas lire. Il faut lire. Abidjan 2. Abidjan devenu comment? Je passais derrière la fenêtre d'un hôtel à Yopougon hier nuit. Je suis en train de passer derrière la fenêtre d'un hôtel à Yopougon. On a dit Koumassi, paye-moi, je suis de Koumassi hier nuit. Et j'ai entendu quelqu'un dire. Et puis, j'ai entendu quelqu'un dire. Ma fille, doucement. Ma fille, faut faire doucement. J'ai tension. J'ai tension. Mais le vieux qui t'a envoyé là-bas. 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 Le vieux, tu parles de tension. Nous, on a fait quoi ça? Et puis vous, les petites filles aussi, là, c'est comme ça que vous faites pour tuer papa des gens. Après, on cherche le papa, on ne le voit pas. La maman, elle est là-bas, elle tourne dans son lit. Zogou, tu as où? Tu n'as pas encore vu ton papa? Ah, maman, on dit, il est allé au Bellétrom. Allez, petite, là. Attends. Le vieux qui t'envoie